effectivement, la presse, c'est pas une industrie de contenu comme une autre, encore plus que, par exemple, l'industrie de la VOD, parce que c'est le quatrième pouvoir, et qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux qui dépassent simplement des enjeux de l'industrie média, mais qui sont des enjeux de démocratie, de diversité d'information, et donc il y a un soutien de l'État par rapport à un certain nombre de modèles qui existent traditionnellement, qui ne sont pas forcément économiquement viables, et qui permettent pas forcément à des acteurs qui adoptent la disruption, vu qu'on est vraiment dans une ère où les choses évoluent très rapidement, d'aller aussi vite qu'on le souhaite. Mais les choses changent.